Ça ne fait ni froid, ni chaud. Donc, c'était pour toi aujourd'hui, ma t'épongie. Je ne te dois rien. Je ne te dois rien. Tu comprends? Je ne te dois rien. Donc, mais c'était un passage pour elle. Bipez-moi toutes les femmes, toutes les femmes qui ont passé la commande chez Jamila. Qui ont passé la commande chez Jamila. Bipez-moi toutes ces femmes-là qui viennent voir la vérité aujourd'hui. Je vais laver l'image de Jamila ce matin. Cette grande dame qui est sur les réseaux sociaux qu'on a voulu salir sur Facebook. Partagez le dire, mes chers frères et sœurs. Quand Nicole vient, Nicole ne mange jamais. Je vais d'abord vous montrer quelque chose, c'est ça. Regardez ça. Ça, c'est les captures d'écran. Je suis en train de causer avec l'arnaqueur. Avec un arnaqueur qui s'est fait passer pour Jamila. Qu'elle vous dit, vous ne comprenez pas. Partagez le direct. Bipez-moi tout le monde. Toutes ces femmes qui disent que cette dame l'a arnaquée. Partagez le direct. Voilà. Partagez le direct. Toutes ces femmes qui disent que Jamila les a arnaquées. Partagez le direct. Partagez le direct. Bipez tout le monde. Bipez tout le monde. Partagez le direct. On ne salait pas ce qui est propre. Ce n'est pas bien. Maman a 122 partages. Hein? Il y a seulement 122 partages, mes chers frères et sœurs. Partagez le live, mes gens. Il y a seulement 122 partages. Partagez le live. Comment va ça? Comment va venir vous écrire? Comment va venir vous donner un grand socorro? Délivre, donc venir dénoncer l'arnaqueur. Vous dites qu'on vous arnaque tous les jours. Vous ne comprenez pas. Quand les gens vous disent que n'écrivez plus sur Messenger, vous partez toujours pour écrire sur Messenger parce que vous voyez la personne à la photo. Mais vous ne lisez pas sur le profil de la personne. Vous ne lisez pas ce qui est sur le profil de la personne. Partagez le direct, bipez tout le monde. Je vais vous dire comment les gens là vous en a. Tous ceux qui sont des soi-disant gens qui ont dit qu'ils se font arnaquer là, vous allez appeler. Je vais vous donner. Vous allez me dire si c'est la même chose qu'elle vous donne. Je vais vous dire c'est la même chose qu'elle vous donne. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Mettez les cœurs. Est-ce que c'est le même numéro qu'elle vous donne? Je ne pense pas. Ici, on soutient Jamila. Les gens qui sont en train d'écrire vous bloquer. Ici, là, on la soutient. Ici. Ici, on la soutient. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Partagez le direct. Quand vous parlez, vous ne comprenez pas. Ici, nous, on la soutient. Hein? Ici, là, on la soutient. Voilà. Donc, bonjour à tout le monde. Nous sommes là pour dénoncer. Je suis là ce matin pour dénoncer l'arnaqueur. Parce que hier soir, quand j'ai fini mon live, apparemment, elle a lancé sa page de direct. Les gens m'ont tagué là-bas. Elle m'a remercié avec la mafo. Pourquoi? Parce que quoi? Regardez, je vais vous montrer quelque chose. Regardez ça. Voici un profil. Il met Aïcha Jamila. C'est Facebook. Ce n'est pas une page. Ce n'est pas une page. C'est Facebook. Voici la page de Jamila. Voilà. Voici la page de Aïcha Jamila. Voici une page. Voilà une page. Voilà son numéro qui est sur la page. Voici le numéro que l'arnaqueur me donne.
Voici le numéro que l'arnaqueur me donne. Ce n'est pas le même numéro que Aïcha Diamela donne à sa clientèle. Voici le soi-disant PayPal que l'arnaqueur donne. Par contre, Aïcha Diamela n'est pas sur PayPal. Elle est plutôt sur DHL. Parce que hier, j'ai eu le temps de regarder son direct. Elle est plutôt sur DHL avec un code. Mais l'arnaqueur, quand il entre en contact avec vous, il vous donne plutôt son PayPal et vous, il dit transmet entre mes amis ou mes proches. Parce que quoi? Pourquoi l'arnaqueur? On va d'abord entrer avant d'entrer dans le vif du sujet. Pourquoi l'arnaqueur vous arnaque? Parce que quoi? Il a un traducteur. Il a l'ordinateur qui fait la traduction. Il traduit. Parce qu'il ne parle pas le français. Et vous appelez Asso. Donc, il traduit en français. Comment il fait pour opérer? Il a créé un compte Facebook. Par contre, Aïcha Diamela a un compte. Elle a plutôt une page. Partagez le direct, mes chers frères. Bipez tout le monde. Quand je le sors, partagez le direct. Quand je vais vous expliquer un truc comme ça, partagez le live. Bipez là même, c'est pour laver son image. Pour dire que cette femme-ci vous a toujours dit la vérité. Elle n'a jamais menti sur les réseaux sociaux. Par contre, ce arnaqueur, lui, a un compte Facebook. Mais par contre, elle a une page d'où elle met son numéro de téléphone. Mais lui, c'est un compte. Attendez, je vais mettre le numéro, mais vous allez appeler après. Attendez, je vais mettre le numéro. Je vais d'abord bien vous expliquer parce que il faut qu'on explique aux Camerounais que tout ce qu'on a arnaqué, là, il faut partager le direct. Partager le direct. Partagez le direct, mes chers frères et sœurs. Non, combien de partages? Partagez le direct. Il faut partager pour inviter tout le monde. Partagez pour que les gens ne se font plus arnaquer sur les réseaux sociaux. Parce que vous faites arnaquer trop sur Facebook. Partagez le direct, c'est 129 partages. Ce n'est pas bon. Partagez le direct. Et c'est un direct que je vais plus revenir sur ça. Partagez le direct. Qu'est-ce que cet arnaqueur fait? Il crée un compte Facebook. Il met sa photo à l'intérieur. Par contre, elle a une page Facebook. Elle a son numéro à l'intérieur. Parce que le compte de l'arnaqueur n'a pas... Et le compte, le Facebook, il a ses amis. Mais elle a une page Facebook, mais vous ne connaissez pas. Parce que lui met les photos de Aïcha Diamela. Hier, quand les gens m'ont tagué dans son direct, d'où elle était en train de me remercier, elle disait que merci ma chérie, tout et tout et tout et tout. Le monsieur m'envoie le message en inbox. Il me dit Asso, tout et tout et tout et tout. Je dis que oui. Après, il me dit, fais les captures d'écran sur la commande que tu veux passer. Il me demande de faire les captures d'écran sur la commande que je vais passer. Je lui ai fait les captures d'écran sur la commande que je vais passer comment. J'entre aussi dans son jeu. Pendant que je vois comment elle est en train de travailler, elle vous montre, elle dit, va les codes. Comment elle fait les papiers comme ça, elle fait les lots, elle montre le code et tout et tout et tout. Celui-là, je suis en train de regarder. Parce que le monsieur là joue avec votre cerveau. Au moment que d'où elle lance le live, il est dans le live. Quand il prononce ton nom, c'est parce que vous vous faites arnaquer. Parce que Aïcha Diamela, quand tu passes sa commande, qu'elle est en direct, c'est quand elle prononce ton nom, tu dis que non, je prends tel lot. Elle dit que bon, je vais prendre un nom. Clarisse. Clarisse dit que non, Aïcha, je prends le lot de 800 euros. Quand il comprend le lot, quand il comprend ton nom, il part directement en inbox d'écrit. Il part directement en inbox. T'écris en inbox. Il se fait passer pour elle. Il t'écrit en inbox directement. Au lieu qu'elle vous dit que
elle ne crie, elle vous dit que qu'elle ne crie donc, qu'elle ne cause pas un petit messenger avec la cliente. Maintenant, il te dit, fais les captures d'écran. Toi, si naïve, tu pars faire les captures d'écran. Tu viens, tu l'envoies à Nimbos. Alors que Aïcha Djamela, elle vous dit que pour elle, elle dit que c'est DHL. Elle dit que prends le code. Elle dit que bon, là, elle dit que le lot de 800 euros a un code. Le lot de 1500 euros a un code. Par contre, l'arnaqueur n'a pas ce code-là. Le même numéro qu'elle a dans son, dans sa page Facebook. Ce n'est pas le même numéro que l'arnaqueur a dans sa page. Ce n'est pas le même numéro. Comment l'arnaqueur réussit à vous embobiner? Parce que l'arnaqueur, il fait la traduction. C'est un indonésien. Il ne parle pas le français. Il traduit. Il a un ordinateur auquel il traduit. C'est là-bas qu'il fait pour vous embobiner l'esprit. Voici, c'est regardez. Qu'est-ce qu'il fait? Il me demande, je lui dis ici que, il m'appelle Asso. Il dit, je vais bien, il dit que je vais l'appeler. Il dit que Asso, fais, tu as pris, moi, je fais les captures d'écran. Il dit que je fais combien? Il me dit directement que non, il m'envoie son PayPal. Il m'envoie directement son PayPal. Au lieu que Aïcha Djamela, hier, yeah! Elle a fait le PayPal que Amafo. Elle ne vous a jamais, même hier, j'ai écouté son direct. Elle n'a pas demandé au client que faites le PayPal dans tel nom. Elle mettait que les lots. Et elle mettait que le truc, le code. Elle mettait le code. Le code, on mettait ton code. Et puis, tu partais. Il y avait la secrétaire qui écrivait. Et puis, DHL, sa base de ton code. Le code de la peur que tu as pris, qu'elle remplit tes formalités à DHL. Est-ce que je me fais comprendre? Hein? Maintenant, l'arnaqueur, comme vous êtes même femme là, quand vous parlez que non, ne partez pas dans les messengers, causez avec les clients si ce n'est pas moi. Parce que j'ai mon numéro de téléphone. J'aimerais demander à toutes ces femmes qu'on a arnaquées, venez me dire, est-ce que c'est le même, parce que le numéro qu'il m'a envoyé. Parce que le numéro qu'il me donne, ce n'est pas le même numéro de Aïcha Djamela. Ce n'est pas le même numéro qu'il m'a donné. C'est un numéro qui est différent. Parce qu'il a un compte Facebook. Voilà ça. Il a un compte Facebook. Par contre, Aïcha Djamela a une page Facebook. Ne confondez pas le compte Facebook et une page. C'est ça qui a nuance. Quand ils sont en train de signaler, ils vont signaler le direct. Quand vous ne mettez pas les clés, ils vont signaler le direct ici. Vous ne mettez pas les clés, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler le live. Ils signalent le live. Peut-être que vous confondez le compte Facebook à une page. Voici un compte Facebook. Parce qu'il a les amis. Voilà. Voici une page. Je vous fais montrer une page. Quand on me dit que si vous n'envoyez pas, ils sont en train de signaler. Ils sont en train de signaler la page. Ils sont en train de signaler le direct. Le direct est signalé jusqu'à. Ils sont en train de signaler le live sur le grand frère. Quand vous ne mettez pas les pieds, ils sont en train de signaler le direct. Ils signalent. Parce que je suis en train de les dénoncer. Pour que vous ne confondez plus un compte avec une page. Parce que vous ne confondez plus. Voici ce qu'on appelle la page. Voici une page. Voici sa page. Voilà sa page avec son numéro personnel auquel tu peux la voir. Voici sa page ici. Voici sa page ici. Par contre, l'arnaqueur a un compte Facebook auquel il t'envoie l'invitation. Maintenant, quand tu vois Aïcha Djamela, tu es obligé d'accepter la demande.
Tu crois que c'est elle. Quand tu acceptes sa demande, hein, maintenant qu'elle lance le direct, qu'elle lance le direct, qu'elle prononce le nom des clients en live, c'est là que la personne entre en inbox avec toi. Il te parle en français parce qu'il fait la traduction. Par contre, Aïcha Djamela, parce qu'elle, c'est elle qui compte français, mais c'est elle qui dit à ses employés comment telle personne, tel nom qui veut ça, tel nom. Est-ce qu'il me fait comprendre? Aïcha Djamela compte français. Nous, on parle français. Mais ses employés parlent la langue indonésienne. C'est elle qui comprend la langue indonésienne. Quand maintenant, la cliente dit que non, je veux le lot de 800 euros. Le lot de 800 euros a un code. C'est grâce au code-là qu'elle prend ton... Elle dit que non, telle dame a pris le lot de 800 euros. Tu as son numéro. Tu vois, elle va dire que non. Elle prend ton code. Elle joue à DHL. C'est elle qui le dit. Elle dit ton nom. Tu vois. Maintenant, les arnaqueurs sont dans le live, dans votre live. Il est dans le live, mais elle ne sait pas. Quand elle a prononcé ton nom, le nom de Maman Lily, maintenant, il part maintenant dans ton inbox. Il part maintenant contacter Maman Lily. Il fait la traduction en français. Il cause avec toi. Il te demande, est-ce que tu as fait les captures d'écran? Mais toi, tu es ça. Tu ne te rappelles pas que non, mais tu vas faire les captures d'écran comment? Au lieu que elle a un code quand tu prends un lot. Ça veut ça qui vous baigne. Il commence à te parler à Nibos. Tu crois que c'est elle qui t'écrit, au lieu que ce n'est pas elle qui t'écrit. Par contre, l'arnaqueur, il est en train de traduire, il fait la traduction en français. Il te dit que si tu as fait les captures d'écran, si c'est bon, fais-moi un PayPal. Il t'envoie son PayPal. Au lieu que tu es censé connaître que non, elle, Aïcha Djamela, plutôt, elle a un compte qui joue avec DHL. Est-ce que me fait comprendre, mes chers frères et sœurs? Maintenant, pour que tu saches que ce n'est pas l'arnaque, il t'envoie directement son numéro de téléphone. Son numéro de téléphone n'est pas la même chose que pour Aïcha Djamela. Ce n'est pas le même numéro. Parce qu'il veut que tu sois en confiance avec lui. Dès que tu envoies l'argent par PayPal, il te bloque. C'est là que tu viens te plaindre qu'elle t'a arnaqué. Elle ne t'a jamais. Elle ne vous arnaque pas. Parce que l'arnaqueur, il est dans le direct. Elle vous dit tout le temps que tu ne causes pas avec les gens sur Messenger. Parce que quand vous voyez les gens vous accoster sur Messenger, il vous écrit couramment français. Tu crois que c'est elle, alors que ce n'est pas elle. Le monsieur fait la traduction sur l'ordinateur. Parce que c'est que nous causons français. Parce qu'il n'entend pas. Quand Aïcha Djamela parle, elle parle le français. C'est pour ça qu'il traduit en français. S'il y a une personne avec qui elle a causé sur Messenger, la personne a traduit en anglais, vient témoigner, mais de connaître sur Facebook. Je dis que toutes ces femmes-là qui disent qu'on les a arnaquées, que c'est la compagnie d'Aïcha Djamela. Si vous avez à causer avec une personne qui cause couramment anglais, qui cause avec vous en anglais, je me déconnecte. Parce que la personne sait qu'elle cause français. La personne sait qu'elle cause français. Maman, envoie-moi les étoiles dans mes champs, partagez le direct. Envoie-moi les étoiles, non. Envoie-moi les étoiles. Voilà, ça, rien que c'est vrai. Envoie-moi les étoiles, non. Je ne mens pas. Parce que moi, la personne m'a contacté hier. Il me dit qu'elle fait les captures. Qu'elle fait les captures d'écran comment? J'ai compris que c'est un arnaqueur. C'est un arnaqueur. Et c'est comme ça que vous faites arnaquer comme ça tous les jours. Vous ne comprenez pas. Si ce n'est pas l'arnaque, c'est le sabotage.
Si ce n'est pas l'arnaque, c'est le sabotage sur son nom. Il dit que toutes ces femmes qui se sont plaintes là, tous ces, je mets quiconque au défi ce matin. Arrêtez de signaler mon live. Je mets quiconque au défi ce matin. Toutes ces femmes qu'on a fait, venez me montrer votre PayPal auquel vous avez envoyé l'argent. Je suis sûr de moi que c'est le PayPal-ci qu'on vous a envoyé. Le même PayPal qu'on m'a donné, c'est le même PayPal qu'on vous a donné. C'est le même PayPal. Le PayPal-ci, voici, c'est ici. Le même PayPal que le bandit, l'arnaqueur m'a envoyé. C'est le même PayPal qu'on vous a envoyé. Ou soit c'est le sabotage. C'est-à-dire que, ou soit, si ce n'est pas l'arnaque, ça doit être le sabotage. Le sabotage sur son nom. Pour éteindre son image. Ou soit, venez nous donner le même numéro qu'on vous a donné. Affichez le numéro qu'on vous a donné. Avec lequel vous êtes en train de causer avec l'arnaqueur. Affichez le numéro. Contre moi, j'ai le numéro de la personne. Et je vais l'appeler après mon live, je vais l'enregistrer. Je vais venir poster sur Facebook. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter de salir ce qui est propre. Hein? De salir ce qui est propre. Je mets quiconque. Dis que tous, dis que maintenant, on accepte tous. Tous, la dame qui m'a appelé, la dame qui a appelé hier pour dire que non, on l'a arnaqué dans la compagnie d'Aïcha. J'aimerais que tu appelles ce matin dans un direct, je vais te poser les questions. Parce que maintenant, j'ai tous les balles pour vous attaquer. J'ai tous les balles pour vous attaquer. Je mets quiconque au défi. Va même dans un live, tu dis le code, tu dis le PayPal où tu as envoyé de l'argent. Tu donnes le numéro où tu envoies. Parce que moi, j'ai les balles pour vous mettre à terre sur les réseaux sociaux. Vous allez arrêter de saboter le commerce des gens. Je vais afficher le numéro. Et je vais afficher le PayPal après mon live. Hein? Venez appeler, non? Appelez. Vous devez trop saboter les gens. Vous ne faites rien dans vos 10 doigts. Tu vous prêtes à salir, détruire la compagnie de quelqu'un. Inventer sur les noms des gens. Vous êtes assis, vous prenez le social. C'est le social qui vous nourrit. Vous, on vous donne le social, vous retient comme ça pour aller nourrir les hommes au Cameroun. Et même honte. Elle va vous porter plainte. J'ai toutes les preuves. Bande, je ne sais quoi. On vous parle tous les jours. Ne partez pas à Nimbox, vous partez à Nimbox. Hein? Partez trafiquer les choses. Pour venir mentir sur son nom. Ou que ce n'est même pas vrai. Hein? Partez trafiquer les choses. Pour venir mentir sur son nom. Ou que ce n'est même pas vrai. Venez appeler ici. Venez appeler. On vous pose des questions. Appelez. Tous ceux que vous, tous les soi-disant gens qui disent qu'on les a arnaqués, appelez. Je vais vous poser des questions. Parce que maintenant, j'ai toutes les preuves à ma disposition. Je vais vous poser des questions. À un moment donné, il faut arrêter. Elle ne vous doit rien. Laissez cette femme-là tranquille. Vous passez votre temps à insulter les pays, les gens. Au moins, c'est elle. Elle est en Indonésie. Elle a fait une voix. Elle a dit que même si tu es dans quel pays, oh, tu travailles dur, tu vas gagner 10 ans. Elle est toujours là, calan. Vous voyez comment elle paye les gens, les employés. Ça, la jalousie peut vous tuer. Parce que vous croyez que c'est parti à Paris. Allez se fumer des gens, des gens qu'on a réussi la vie. Leur vie. Elle a dit que même si tu es où, tu peux réussir. Et elle a réussi. Les gens ont vu bien. Et elle est honnête. Tout le monde qui sont passés, tout le monde qui me contacte en inbox me dit que Nicole, la dame là est honnête. Et c'est une personne qui a un bon cœur. Pourquoi vous la détruisez ce qui est propre? Hein? Pourquoi vous la détruisez ce qui est propre? Ce n'est pas bien. Venez appeler, non?
Je dis que, mes chers frères et sœurs, je ne serai pas le même numéro. Ce n'est pas le même numéro. Méfiez-vous des comptes Facebook. Aïcha Djamena a une page. Elle n'a pas un compte Facebook. Les comptes Facebook, c'est la nacre. Ce sont les gens qui se font passer pour elle. Ce sont les gens qui se font passer pour cette dame. Qui vient vous écrire en inbox. Qui vient vous écrire en inbox. Parce que vous allez voir la photo. Est-ce qu'elle vous a dit qu'elle a un compte Facebook? Nini, c'est sûr, ça parle que j'ai pris le numéro, ma belle. Est-ce que c'est le même numéro alors, ma chérie? Hein? Vu que je n'ai pas de PayPal, c'est sûr, ça n'a pas eu rien. Et j'ai comment donné le numéro, rien. Facebook, c'est ça, les louanges. Je dis que méfiez-vous des voleurs. Ça que vous êtes menti. De dehors et vous dites, méfiez-vous. Père, tu as confondu le numéro, ma soeur. Il dit que appelle, tu appelles le numéro là. Parce que son numéro est sur WhatsApp. Ce n'est pas un numéro qui est caché. Hein? Il dit que, ma chérie, appelle ici. Ouais. Il dit que appelle ici, appelle. Tu appelles le numéro qu'elle t'a donné. Père, tu as fait une fausse manœuvre. Que ce n'est pas le même numéro. Si c'est le numéro de cette femme. Je ne pense pas. Je ne pense pas. Donc faites attention aux arnaqueurs. Ils sont pleins là-dehors. Ils sont pleins dehors. On vous dit toujours. C'est ça, son numéro est toujours épinglé sur sa page. Son numéro est toujours épinglé sur sa page. Son numéro est toujours épinglé sur sa page. Non, je ne pense pas. C'est la nappe, non? Même là, même si ce que la personne m'a dit, ce que tu es en train de dire là, c'est la même chose que la personne m'a dit. Il m'a dit, voici mon PayPal, tu fais le transfert dans le compte de mon ami. Il te dit, c'est la nappe. On t'a seulement arnaqué. Hein? Maman, c'est dit que peut-être que tu as fait une fausse manœuvre. Ou bien la personne t'a contacté en inbox. La personne a seulement, ce que la personne a seulement contacté en inbox. Soit tu as fait une fausse manœuvre, ma chérie. Moi, je t'ai dit. C'est moi qui t'ai dit. Donc, fais attention. On ne salit pas ce qui est propre. Laissez cette femme-là tranquille. Mais ça, c'est que c'est la nappe, non? C'est la nappe. C'est que sûrement la personne t'a contacté en inbox. C'est ça. C'est ça que la personne m'a aussi dit. Il m'a aussi dit la même chose. C'est pour ça que j'ai dit que méfiez-vous des comptes Facebook qui viennent avec son nom vous demander l'amitié. Qui vous écrit en inbox qu'elle est en live. Parce que quand elle est en live, quand elle appelle ton nom, il passe par derrière, maintenant il t'envoie le message en inbox. Parce qu'il fait la traduction. Parce qu'il ne comprend pas le français. Donc ce que tu écris avec lui, il traduit en français. Ils sont trop forts pour ça. Moi, je ne sais pas. Je dis que ma chérie, viens appeler, tu nous appelles le numéro, toi tu as causé avec la personne. Pourquoi tu l'as bloqué? Il faut faire les captures d'écran, tu envoies. Hein? Je mets quiconque au défi. Il cause tout le français avec vous.
Est-ce qu'il peut causer l'anglais? Non. Parce que c'est que non, vous ne comprenez pas l'anglais, vous causez le français avec elle quand elle est en direct. Donc c'est tout. Donc méfiez-vous. Qu'elle est en direct là. Quelqu'un vous appelle, vous envoie le message, vous bloquez seulement la personne. Parce qu'elle ne cause que sur WhatsApp. Elle ne cause pas sur Messenger. Elle ne cause pas sur Messenger. Elle cause que sur WhatsApp. Donc c'est un peu ça. Méfiez-vous des arnaqueurs. Des gens qui arnaquent. Non, il fait bloquer. C'est une bonne chose. Tu as bien fait de bloquer. Il faut bloquer tout. Non, soutien l'entrepreneuriat. Ah, soutien l'entrepreneuriat. Non, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment faire attention. Parce que les arnaqueurs sont dehors. Pêle-mêle. Ils ne blaguent pas. Ils sont là seulement que pour arnaquer. Il y a un mot de Aïcha. Donc, les gens qui veulent appeler. C'était juste pour vous éclaircir le matin, comme ça, pour vous dire que là, ne venez plus pleurer sur Facebook ou qu'on vous a allé, on vous a arnaqué sur Messenger. Donc, ne confondez pas une page avec un compte Facebook. Non. Elle est sur une page. Elle a ses 80 000 abonnés. Elle a son numéro de téléphone là-bas. Donc, si tu causes avec elle, tu fais des captures d'écran. Tu gardes. Ne venez plus mentir sur le nom de la personne. Ce n'est pas bien. Partez vous faire arnaquer. Venez pleurer sur Facebook. Oh, on m'a arnaqué. Oh, on m'a arnaqué. Oh, on m'a arnaqué. Allô? Allô? Oui, bonjour madame. Bonjour. J'ai appelé, c'est pour témoigner en faveur de Aïcha Djamila. Ok, appelez ma chère. Bonjour à toutes les assos et bonjour à tous vos abonnés. En fait, j'appelle parce que cette dame, c'est une dame très gentille. Donc, vraiment qu'on arrête de la salir. J'ai plusieurs fois acheté des trucs et plusieurs fois acheté des mèches chez elle. Elle m'a même donné des mèches qui n'étaient pas dans ma commande. Oui. Et je lui ai même demandé comment je fais pour vous renvoyer ça. Parce que je lui ai dit, ceci, ce n'était pas dans ma commande. Il y avait eu confusion. Mm-hmm. Et je lui ai demandé comment je fais pour vous renvoyer ça. Elle me dit que non, il n'y a pas de problème. Restez même avec ça. C'est le cadeau. J'étais étonnée. Mm-hmm. J'étais étonnée qu'on laisse cette dame tranquille. C'est une dame très gentille. Bien sûr. C'est une dame très gentille. Et merci pour ce que vous êtes en train de faire aussi pour elle. C'est pour ça, non, c'est pour ça que, c'est ça que les gens se font arnaquer parce qu'ils confondent un compte Facebook et une page. C'est pour ça. Mais le tout, c'est qu'elle se tue, même m'a dit tous les jours, ne me contactez pas sur Messenger. Bien allez sûr. Sur WhatsApp. Il y a son numéro WhatsApp qui est affiché. Mm-hmm. Allez sur WhatsApp. Elle le dit tous les jours. Mais comme les gens sont têtus, voilà, ils vont se faire arnaquer. Mais c'est une dame honnête. Elle est très honnête. Franchement. J'ai pris plusieurs fois des trucs chez elle, mais j'ai jamais eu de problème avec elle. Elle est honnête. Sur sa photo WhatsApp, il n'y a pas la photo. Je ne sais pas. Sa photo WhatsApp, il n'y a pas de photo. Il n'y a pas. Non, mais quand vous dites je prends, parce que chez elle, il y a un système. Quand elle est en direct, dès que vous dites je prends, c'est vous qui allez la contacter via WhatsApp parce qu'elle a déjà dit n'allez pas sur Messenger. Et quand vous allez via WhatsApp, il dit que la personne qui me parle me dit que sa photo WhatsApp, est-ce qu'il y a la photo? Il n'y a pas de photo. Elle n'a pas de photo sur non, il n'y a pas. Non. Et elle vous donne même la possibilité de l'appeler directement. Bien sûr. Oui. Parce que moi, je l'ai appelée directement. Elle a dit non, c'est moi. Voilà. Et la voix, vous reconnaissez.
Bien sûr. Sa voix. Donc, je ne sais pas pourquoi les gens disent. C'est une femme qui était très calme au début, mais maintenant elle gueule parce que les gens viennent toujours dire non, elle a annaqué, non, elle a. Les gens sont en train de. Quand vous ne partagez pas le lien, signale le live. Ils sont en train de signaler. Parce que vous ne mettez pas les cœurs. On fait un live comme ça, il y a seulement 57 cœurs. 57 cœurs. 57. Vous ne mettez pas les cœurs, vous ne mettez rien. Il n'y a même pas les cœurs. C'est seulement qu'ils vont signaler le direct. Regardez vous-même, il n'y a même pas les cœurs, regardez. Les cœurs, il n'y est pas. Il n'y a pas les cœurs. C'est normal qu'ils vont, c'est normal qu'ils sont en train de signaler, ils signalent. Regardez comment vous, regardez comment c'est flou. Regardez voir comment c'est, ils sont en train de signaler, ils signalent. Parce que vous ne mettez pas les cœurs. Quand ils signalent, ça fait que la visibilité, c'est vous, ça, la visibilité est restreinte. Parce que quand il n'y a pas les cœurs, il n'y a pas, quand vous ne mettez pas les cœurs, ils sont en train de signaler. Voyez un peu. Après, mais ils vont sauter la part parce que je lui dis la vérité. Après, mon Dieu, il va afficher toutes les captures d'écran avec la personne que j'ai causée. Pour dire que tous ceux qui se font arnaquer là-bas, c'est ça. Parce que le patron de l'arnaque. Donc, quand vous ne mettez, vous ne mettez pas les cœurs, et il passe le temps à signaler, mon Dieu. Et moi, je n'ai pas envie de perdre ma page comme ça. Hein. Voilà, on dit aussi que n'envoie pas l'argent tant qu'elle ne te répond pas. C'est le plus important. Voilà, on a dit que tant qu'elle ne te répond pas, tant qu'elle ne te répond pas, ne fais pas le transfert d'argent. Quand tu envoies l'argent, il faut qu'elle te réponde. Quand tu l'écris, il faut que tu aies te réponde. Ouais, non. Quand vous ne mettez pas les cœurs, signal, moi, il va arrêter le live parce qu'il n'y a pas assez de cœurs. Il n'y a pas de cœurs dans le live. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ils vont signaler. Comme je vous disais tantôt, ceci. Son WhatsApp, il n'y a pas de photo. Mais si tu la contactes sur WhatsApp, tant qu'elle ne te répond pas, ne fais pas le transfert d'argent. Hein? Et quand tu es en direct et qu'elle prononce ton nom, si quelqu'un vient t'écrire sur Messenger, bloque directement la personne parce que la personne a entendu ton nom dans son live. Par contre, hier, moi, parce que hier, elle a prononcé mon nom dans son live. L'arnaqueur est parti m'envoie le message sur Messenger. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'elle m'offrait, elle était en train de m'offrir les perruques. Mais lui, il me demande que je passe la commande. J'ai fait les captures d'écran. Il faut que moi, je passe la commande. J'ai compris que c'est un arnaqueur. J'ai décidé de venir vers vous ce matin pour vous dire comment ça se passe. Mais comme vous n'envoyez pas les cœurs, ça qui est neuf. Vous n'envoyez pas les cœurs, ils sont en train de signaler. Ils signalent parce qu'ils viennent le dénoncer. Ils signalent. Parce qu'il a vu que je suis en train de lui dénoncer. Ils signalent. Et il y a encore un truc. C'est vrai, elle fait aussi les vosses. Donc quand tu lui envoies le message, elle t'envoie les vosses. Tu vois, non? Donc, elle t'envoie aussi les voix, c'est vrai, parce qu'hier, elle m'a envoyé les voix aussi. Hier. Quand elle a déjà mis son numéro, moi, je lui ai envoyé le numéro directement, sur le direct, elle m'a directement envoyé les voix. Et c'est vrai, j'ai oublié aussi de préciser ça. La personne m'a envoyé le message pour me dire que je précise aussi, c'est quand tu l'envoies le message, qu'elle t'envoie les voix. Donc, si tu causes avec, si tu envoies le message, et qu'elle ne t'envoie pas les voix, rentre derrière. Ne continue pas. Donc, il faut que tu entendes sa voix. Quand elle t'envoie les voix, tu dis qu'asso, j'ai vu. Voilà, c'est aussi ça. Et aussi, elle t'envoie aussi uniquement les photos des Onusiens avec qui elle travaille. Elle t'envoie aussi les photos avec qui elle travaille, avec les gens avec qui elle travaille. Il y a aussi deux trucs aussi là-dedans. Donc, méfiez-vous. Ils sont en train de signaler mon direct. Donc, c'est aussi ça. Donc, quand vous communiquez avec elle, quand vous dites que salut Asso, si elle t'envoie les voix, tu écoutes sa voix, tu peux continuer, tu peux y raconter, c'est elle. Et il y a aussi les photos avec les gens aussi avec qui elle travaille. Donc, et quand vous êtes en direct et qu'elle prononce vos noms, si quelqu'un te contacte en Messenger, bloque la personne, c'est un arnaqueur. C'est un arnaqueur. Parce qu'il a entendu qu'on a prononcé ton nom dans un direct. Donc, il vient maintenant vers toi sur Messenger parce qu'il fait la traduction en français.
Donc, il se fait passer pour elle, donc ce n'est pas elle. Vous comprenez un peu, non? Donc, c'est un peu ça, ce qu'il tenait à vous dire le matin. Parce qu'ils sont en train de me signaler. Et quand ils signalent comme ça, la part sera encore plus restreinte. Parce qu'on n'envoie pas les cœurs. La part sera encore plus restreinte. Ils sont mélangés avec les ténébreux parce que ce venu est dénoncé. Parce que ce serait une diffamation de nom. Parce que Aïcha Djamel va porter plainte à quiconque des blogueuses. Donc, c'est un peu ça. Avant de partir, Téna a dit que elle portera plainte quiconque d'une blogueuse qui va venir diffamer son nom sans avoir les preuves. Sans avoir les preuves. Parce que nous tous, dans les lives, elle ne travaille qu'avec les codes. Les codes des lots auxquels elle travaille. Et elle ne travaille qu'avec DHL. Mais la personne qui cause avec toi travaille sur PayPal. Donc faites très attention. Vous qui n'avez rien fait de vos vies. Vous vivez du social. Faites très très attention. Même où vous vous trouvez, on vous porte plainte. Ne crois pas que tu es caché en faux profil pour venir diffamer sur elle. C'est même ta voix et le nom auquel tu montes dans les directs. On peut te repérer avec. Parce que vous êtes caché dans les maisons. Quand vous voyez une personne qui s'est battue, elle s'est fait un nom sur les réseaux sociaux. Même comme c'était dur, elle a dit qu'elle restait nganka. Mais vous êtes incapable de le faire. C'est vous, je suis le père de tel, je suis père de tel. Maman, le signalement de ça, c'est grave. Hein? Vous signalez jusqu'à maman. Hey! Le signalement de ça, c'est grave. Vous signalez un direct qu'on est en train de dénoncer, maman. C'est même pas un direct d'insultes. C'est un direct de travail. Ici, nous, on travaille. Il y a le ticket du 2 décembre à Aqua Palace, samedi, le week-end qui vient. On a notre soirée de la gloire glorieuse, le 9 décembre à Paris. Vous venez signaler. Je viens laver l'image de la grande dame Aïcha Djamela. Comme elle a voulu salir son image sur la toile pour vous apporter les éclaircissements que hier j'ai vu en plein live. Que j'ai été victime dans son direct. Parce qu'elle a prononcé mon nom. La personne est partie m'écrire directement en inbox pour vous la manaquer. C'est pour ça que je vous apporte les éclaircissements. Le blanaqueur, il en a. L'anaqueur vous en a que en plein live. Arrêtez de signaler mon direct. Nous sommes en train de dénoncer les choses qui se passent sur les réseaux sociaux. L'anaqueur, il vous en a que en plein live. Arrêtez d'aller dans les messengers causés avec les gens que vous ne connaissez pas. Quand elle prononce, elle a prononcé mon nom hier. Nicole Kecha, voilà ton lot que je te donne pour te remercier. Pas parce que je suis en train de te corrompre, non. Parce qu'elle est vraie. Elle a su que non, elle n'en a pas les gens. J'étais dans son direct. La personne m'a contacté directement en inbox. J'ai dit que mais tu me contactes en inbox alors qu'on m'a proposé la perruque là-bas. Il vient me contacter que non. Vous voyez, comme ils ne mettaient pas les questions, ils sont en train de signer le direct. Ils signalent. Et moi, j'ai été victime. Je viens partager ça avec vous. J'ai été victime hier. Parce qu'elle a prononcé mon nom. C'est quand elle entend qu'elle prononce ton nom en français que telle personne, il part te contacter en inbox. Il entre en contact avec toi. Il te dit que tu as fait des captures d'écran. Passe la commande. Maintenant, quand tu es bête, maman, j'ai dit que maman dit que vous signalez mon direct jusqu'à moi. Le direct c'est signalé jusqu'à vous signalez un direct qu'on est en train de dénoncer, maman. Hmm? Vous signalez un direct qu'on est en train de dénoncer. Hmm? Tu vois, voilà encore une autre victime. Et là, on m'envoie les captures d'écran. Voilà encore une autre victime. Vous voyez comment il fait. Il entre en contact avec les gens que Aïcha Djamela cause, appelle vos noms sur, en plein live. Voilà les captures d'écran que les gens m'envoient. Et c'est la même personne. Je mets quiconque au défi ce soir. Toutes ces femmes qui veulent diffamer Aïcha Djamela, voici la personne qui vous en a. Et c'est la même personne
qui cause avec moi, qui a causé avec moi sur Messenger. Le voici, la même personne. Regardez, la même personne. C'est une autre dame qui m'a envoyé les captures d'écran. Donc vous qui restez dans, vous dites que vous êtes les soi-disant blogueuses, que vous voulez diffamer cette femme, on va vous porter plainte. Avant de vous asseoir, rassurez-vous que c'est vrai. Je vous mets quiconque au défi. Allez lancer vos lives. Vous dites à la personne à qui vous avez envoyé l'argent. Le PayPal, le numéro de téléphone, tout, on voit. Mettez les captures d'écran sur Facebook. N'allez pas imaginer les choses parce que la plainte serait faite. Ça serait dévastateur. Vous avez un moment où vous allez arrêter de salir. Vous avez fait ça avant, on vous a laissé. Vous avez fait avant, on vous a laissé. Le tout, c'est terminé. Grâce à elle, les femmes mangent au Cameroun. Elle nourrit beaucoup de personnes. Elle a fait les merveilles chez la reine galloise. Elle ne mange pas seule. Maf lui a tendu la main de la publicité. Elle a su garder ça parce qu'elle c'est une personne qui est vraie. Si elle était fausse, 10 ans avant de ses perruques, on fait un live. Plus de 20 000 personnes, plus de 20 personnes appellent pour témoigner sur une femme. Vous vous asseyez dans un live des personnes qui ne savent rien pour venir mentir sur elle. Que quand tu vois la personne a la perruque, tchondoko pour une folle. Vous venez parler. À un moment donné, il faut arrêter. La récréation est terminée. C'est terminé. On veut la diaspora positive. On ne veut plus la diaspora négative. Nous, on encourage ce qui est bien. Allez encourager ma maman Star Messan. Elle vend ses produits. Nous, moi, j'encourage la diaspora positive. J'encourage les gens qui travaillent. J'encourage ma faux. J'encourage maman Pépé. J'encourage la Jamela. J'encourage ma mère Star Messan avec ses produits de beauté. C'est comme ça la diaspora positive. Vous allez arrêter de saboter les gens. Les gens qui ont fait plus de 100 ans en bain n'ont rien gagné, même pas 1000 euros dans leur compte. Ce qui les sert, c'est vendre le dongo. Vous allez arrêter ça. Donc, toutes femmes qui vont diffamer sur Aïcha Djalemela, on a tous les preuves d'Anakeur. Toutes les femmes qui vont venir diffamer sur lui, sur elle. Rassurez vos arrières. Vous n'êtes pas venu descendre une compagnie de qu'elle paie les milliers, elle donne le travail aux gens. Si tu n'as pas l'argent, on m'a déjà proposé. Les gens me sont venus avec Nicole, va la voir. Elle est prête à m'aider. Je peux vendre ses perruques. Elle ne te connaît pas. Faut arrêter ça. Faut arrêter à un moment donné. Oui, maman Clarisse. Bonjour, ma chérie. Bonjour. Bonjour, maman. Oui, mamie. Donc, c'est juste pour dire deux mots. Donc, la première des choses, c'est pour apprécier ton travail. Merci. Sur la toile que les gens ne comprennent le pas. Le travail qu'ils sont en train de signaler même. Je pense que j'avais dit à un certain mois que les gens ne connaissent pas pourquoi tu es sur la toile. Mais un peu, d'ici l'année prochaine, ils vont comprendre que tout le monde ne peut pas être la même personne. Tu es venu pour quelque chose. Tu as une mission sur la toile. Tu n'es pas une clasheuse. Non. Tu es là pour mettre les choses correctes. Tu es là pour dénoncer tous les manipulatrices. Voilà. Voilà ça. Attends, maman, Clarisse, ça. Détruit les vies des autres. Attends, maman, Clarisse. Ah, ça va. Voilà une personne qui a dit Rose Dibé dit que oui. J'avais commandé les cheveux en plein direct. La personne est partie d'écrire en inbox. C'est comme ça qu'il fait pour opérer. Parce qu'elle prononce vos noms dans son direct. Il parle directement, vous écrit en Messenger. Et elle vous dit que ne partez plus écrit. Je n'écris jamais sur Messenger. Oui, maman Clarisse, parle, ma mère. Alors, il faut que les gens sachent que ta mission sur la toile, ce n'est pas pour détruire. Mais ta mission ça. Sur la toile, c'est pour mettre le pendu à l'heure. C'est ça, c'est ça. Ta mission sur la toile, c'est pour au moins. Ce n'est pas parce que les gens qui se dépassent en acheter étaient sur la toile pendant 15 ans. Maman, tu ne peux pas comparer avec eux, mais tu vas les mettre certaines choses. La génération que tu gères maintenant, ce n'est pas une génération de négativité. C'est une génération d'utiliser la toile comme il faut. On peut utiliser la toile pour édifier, maman, corriger et gagner nos vies dedans. Ce n'est pas pour détruire les autres. Bien sûr. Parce que j'ai vu que les premiers vagues de gens, c'était pour détruire les autres. Maman, ils sont en train de détruire les gens. Maintenant, tu es venu. Nicole, tu es l'une des icônes qui va changer. La toile qui va chercher des informations, qui va te choquer, qui sont des mensonges pour venir te faire mal. Mais tu n'es pas là pour ça parce que jusque ce matin, tu as respecté la dame.
qui est en train de te dire n'importe quoi. Tu respectes les gens. Les gens n'ont pas compris ça. Tu respectes les gens. C'est pour dire que tu n'es pas un clasheuse. Tu es en train de dénoncer les choses. Continue à cette vague-là. Merci pour le live que tu as fait hier. J'étais tellement fière de toi. J'étais au travail. Je n'ai pas vu. J'ai vu ça après. Mais quand même, pour jamais là, j'ai vu ça. Il faut que les gens comprennent. Jamais là, si tu ne accordes pas ton... Même avec le code, et t'envoie ça pour WhatsApp pour que tu confirmes avant que commence à faire le paiement, avant ça arrive. Bien sûr. Donc, il faut que les gens arrêtent. La femme-là est gentille. C'est qu'on a vu hier. Les gens vont mal croire que peut-être elle a fait ça pour parce que tu as fait le live. C'est comme ça que j'ai mis la fonction. Ce que tu as eu hier sur son live, c'est comme ça que la dame la fonction. Elle est comme ça, elle est naturelle, elle est forte. Elle est hyper gentille et honnête, ouverte. Donc, continue avec ça, Nicole. Tu as vu ça, tu ne connaissais pas la dame. Moi, je la connais bien, j'ai fait le commande chez elle. Bien sûr. Si je savais le temps, j'ai témoigné hier, mais je témoigne aujourd'hui qu'elle est comme ça. C'est ça. Continue avec ça. Tu n'attendais rien de cette dame. Non. Elle ne t'a pas payé. Non. Elle t'a apprécié. Bien sûr. Donc, continue. Et tu auras beaucoup de portes qui seront ouvertes à cause de ta honnêteté. Merci. Et ce que tu fais sur la toile. Merci reste comme ça, s'il te plaît, ne change pas. Merci beaucoup, tu n'es pas dans le Congo, ça, tu es là pour la dénonciation. Non, il n'est pas même pas dans le Congo. Donc, continue à être comme ça, là, et tu auras. Beaucoup de portes seront ouvertes pour toi. Merci du beaucoup, courage, ma chérie. Merci beaucoup, maman Claire. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Bonne journée à toi. Oui. Les gens sont en train d'écrire en... Dans ça, vous signalez pourquoi. Les gens sont en train d'écrire en commentaire que quand va savoir suivre la Nina Beauty, elle va aussi les purer. Elle dit que quand elle en direct, elle prononce ton nom, les gens partent en inbox écrit à la cliente. C'est la même chose que Aïcha Djamena se plaint avec vous. Maman Lilia était victime dans le direct d'Aïcha Djamena. Beaucoup de gens sont en train d'écrire parce que les gens sont en train de signaler mon direct. Ils ne veulent pas que. Le soir, je reviens dans la dénonciation le soir. Si je ne dors pas, le soir, je vais revenir dénoncer ça. Parce qu'il faut que les gens doivent écouter ce que j'ai dit. Vous êtes en train de signaler mon live. Vous signalez mes directs pourquoi? Un direct de dénonciation. Hein? Beaucoup de gens. Beaucoup de gens tombent dans le panneau comme ça. Parce qu'ils sont dans les directs. Je mets un exemple. Si aujourd'hui elle ne fait pas le live, si elle fait deux jours sans faire le live, vous allez voir, ils ne vont pas venir dans vos inbox. Parce qu'elle n'est pas en live. Mais le jour qu'elle serait en live, c'est là qu'ils vont venir dans vos inbox pour vous écrire, pour vous passer la commande chez eux. Parce qu'elle a prononcé vos noms dans son live. Ou soit, il voit vos noms. Il voit, tu dis que non, je prends ceci, je prends ça, je prends ça. Il vient, il t'écrit en inbox. Il se fait passer pour Djamila. Parce qu'il écrit en français. Tu ne sais pas que c'est un anacœur. Donc, méfiez-vous. Je mets quiconque au défi. Sortez tous les pauvres que vous arnaquez. On voit. Si c'est la même compagnie, si c'est le même code bande, hein, signalez le TACAP. Vous signalez même un direct qu'on dénonce, mon frère. Hein, vous signalez un direct qu'on a été dénoncé. On dénonce l'ANAC, vous signalez. Malini, hein. Vous signalez la honte, c'est pour vous. Honte, c'est pour vous. Vous signalez un direct qu'on a été dénoncé. Un direct qu'on dénonce, vous signalez le direct. Franchement, c'est là. Vous faites la peine aux gens. Oui, maman Lili. Bonjour, Mathilde. Bonjour, maman. Oui. Non, je voulais dire que les gens fassent attention. Que les gens fassent attention parce que hier, dès qu'elle a prononcé mon nom, voilà, j'ai reçu une demande d'invitation. Je dis que, est-ce que c'est elle? Je repars dans son live. Je vois qu'elle est en live. Et j'ai même écrit dans le live hier, là. J'ai dit, ça, c'est comme ça qu'on fait pour anaquer cette personne-là. Il commence à me dire, bonjour, Asso. Ça va? Mon chien, tu as déjà passé ta commande? Je dis que, si les gens font ça, même, j'avais même écrit dans le live pour savoir si c'était vraiment elle. Et elle m'a dit que non, elle n'écrit jamais. Donc, non. Voilà comment on fait pour anaquer les gens. Bien sûr. Voilà comment on fait pour anaquer les gens.
Donc, tant pis pour vous, tant pis pour les gens qui se sont fait arnaquer. Franchement, soyez vigilants. Soyez vraiment vigilants. Donc, je voulais témoigner que les gens se font arnaquer comme ça. Parce que vous victimes. Mais oui, ce sont eux qui signalent parce qu'ils ne veulent pas qu'on les dénonce. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Ils ne veulent pas qu'on sache la vérité, en fait. Donc, c'est pour ça. Ma fille dénonce parce que hier, j'ai compris comment les gens se font arnaquer. Bien sûr, maman, même moi, j'ai été victime. Directement, quand la prononce, mon lui m'envoie l'invitation. Après, ils m'ont écrit en parce que, Asso, passe la commande. Tu as déjà passé ta commande, Asso. Tu as déjà passé ta commande. Puisque m'envoie le PayPal. Je m'en vais, je la vois qu'elle est encore en live. J'ai dit non, maman, non, ça te l'est pas. Je t'ai dit. Maman. Donc, les gens qui disent qu'elle est fausse, ça, méfiez-vous. Tant pis. Okay. Pour, tant pis pour ceux qu'on a, c'est pas Djamela, pardon. C'est pas elle. Donc, ma fille, enlève-moi. Attends, on va monter quelqu'un que tu descends. Si tu descends, la personne va descendre. Attends, la personne d'abord. Attends, la personne monte d'abord parce que ça dit, je suis en cours. Ok. Et donc, dis, maman, Nini, les bandits comme ça. C'est des bandits. Ils n'ont rien à faire. Ah, c'est comme ça qu'ils font. Et ils viennent avec le nom, hein. Tu vas voir comme ça, tu vas croire que, hein? Après, tu vas dire, ah bon, donc c'est comme ça qu'ils font pour arnaquer les gens. Après, quand j'écris, hein, j'écris dans le live pour savoir si c'est vraiment Djamila. Après, la personne m'écrit, mais j'ai vu ton commentaire, c'est bien moi, je suis dans le live. Je dis, ah, d'accord, ok, c'est comme ça que tu fais pour arnaquer les gens. Quoi? Moi, j'ai vu ton commentaire. J'ai vu ton commentaire. C'est bien moi. Non. Ce sont les arnaqueurs. C'est comme ça qu'on fait pour arnaquer. Tant pis pour notre soeur qui, hier, qui disait que Djamila, elle arnaque. Non. Voilà comment ils opèrent. La personne n'a même pas prié. Si elle peut encore relancer l'appel, enlève-moi, ma fille. Non, c'est un peu ça. Donc, on va écouter comment. Maman Lily a dit, parce qu'elle aussi, elle a failli se faire arnaquer. Hier, tout dans le même, dans le direct de Aïcha Djamila. Vous avez vu, parce qu'elle a prononcé son nom. Même quand on ne prononce pas son nom, parce qu'il lit les commentaires, il voit vos commentaires. Voilà, il parle directement, vous écrit en annonce pour vous arnaquer. Donc, ce n'est pas elle. Méfiez-vous. C'était juste ça que j'ai dit dans ce matin. Mais les gens n'ont pas accepté que moi, ils n'ont pas qu'ils soient en train de signaler mon direct. Ils signalent. Je vais toujours dénoncer. Quand on vous dit que tout le monde est seulement dans le clash, moi je ne clash pas. Moi, ils viennent dénoncer ce qui est vrai. Donc, c'est différent du clash. Donc, enlevez-moi ça dans la tête que vous dites quoi, c'est un clash. Je ne clash pas les gens. Donc, c'est un peu ça. Faites attention. Oui, bonjour, madame. Allô, Nicole, comment tu vas? Je vais très bien, maman. Je vais très bien. Je suis au boulot, c'est pour ça que je ne veux pas parler très fort là. En fait, hier, quand tu as fait le live, je t'ai demandé de m'envoyer le numéro, si tu avais le numéro que je voulais passer ma commande. Directement, les gars là m'écrivent sur Messenger. Ouais. Et comme j'étais aussi en live avec Djamila, j'ai regardé un peu le numéro. Djamila a communiqué son numéro. Je passe sur Messenger, je compare les deux numéros, je vois parce que Djamila finit par 4407. Voilà. Tu comprends? Dès que je regarde là, j'ai directement bloqué le gars. Je l'ai signalé directement. Ouais. Mais ce qui me gêne, c'est que nos sœurs devraient soutenir notre propre sœur qui traverse ce problème. C'est l'entrepreneuriat. Mais ils sont là pour vouloir la démolir. Ouais. Moi, je ne comprends pas cette bande d'haineuses-là. Le Cameroun devrait avoir de belles personnes. Djamila, c'est une belle personne, une entrepreneuse. Elle fait de bonnes choses. Et je la connais depuis sur Facebook, mais je n'avais jamais eu son numéro. Et je voulais vraiment passer la commande. Hier, là, immédiatement, j'ai communiqué avec elle sur WhatsApp. Wow. J'ai fait mon virement et tout, j'attends seulement ma commande. Wow. Je suis allée hier, là, faire le virement, j'ai communiqué avec elle, on s'est parlé.
Moi, je ne comprends pas pourquoi nos sœurs font ça. Je ne sais pas si c'est pour faire du mal aux gens. Ils devraient être là pour encourager cette femme et chercher à comprendre. Parce que j'ai vu Jamila appeler la petite sœur de Lolo là. Mais la fille était tellement hautaine. Il n'y a même pas de politesse. Elle essaie même d'expliquer. Elle un manque de respect. Je dis que mais Jamila fout même quoi avec ces gens-là. Elle a bien fait de raccrocher au nez. Mais elle ne veut même pas comprendre. Ils sont envieux. Mais c'est pas bon. Je pense que les Camerounais et les Camerounaises, nous devions être là pour soutenir nos sœurs qui font dans ne pas dénigrer. Comme on n'envoie pas les petits signaux à la télévision. Comme on envoie les cœurs. Vous n'avez plus de temps pour signaler les personnes. Vous n'envoyez pas les cœurs, ils vont signaler. On n'a même pas envie de cacher. On devrait être là pour soutenir nos sœurs et non pour détruire. Le Cameroun ne devrait pas avoir cette image-là. Je ne sais pas, le blog des Camerounais, c'est comme si c'est le vampirisme qui est entré à l'intérieur. Moi, je ne comprends pas. Et surtout, je ne comprends pas. Ils ne peuvent pas avoir une ligne éditoriale qui peut édifier les Camerounais, toujours dans les insultes. On fait bien, c'est mauvais. On fait mal. Qu'est-ce qu'elle veut alors? Elle est en train de faire les bons dons charitables, mais ils sont en train de la dénigrer. Mais j'ai vu celle des États-Unis. J'ai même écrit sur sa page qu'au début, elle avait une belle ligne éditoriale. Je suivais cette femme. Mais depuis qu'elle est collée, elle est comme la censure derrière notre mafo. Je ne comprends pas. Une mère de famille comme elle ne devrait même pas entrer dans cette bassesse-là. Si quelque chose t'énerve, tu te lèves sur Facebook, tu parles et tu passes, tu continues autre chose. Tu ne vas pas rester éternellement sur un problème juste parce que tu veux voir cette personne tomber. Ce n'est pas ça le vlog. C'est ça. Hein? Qu'ils essaient un peu de regarder les vlogs des autres personnes autour d'eux, des autres pays. Mais pour les Africains, c'est seulement les injures, entrer dans la vie privée des gens. Ce n'est pas bon. Essayer de sensibiliser, ce n'est pas bon. Et merci pour vraiment, Nicole, pour tout ce que tu es en train de faire là. Vraiment, je t'encourage dans ça et tout. Dès que possible, je vais aussi t'envoyer un peu d'étoiles. Merci beaucoup. M'envoyez que tous les gens qui. Envoyez même les étoiles. Non. Il faut que je quitte même ici avec même 500 étoiles. Non. Maman, veuillez m'encourager. Envoyez-moi les étoiles, mes gens. Donc, continue à faire ce que tu es en train de faire là et je te remercie vraiment. Il ne faut pas changer ta ligne. Continue à soutenir tes soeurs. Ne gêne même pas ceux qui sont en train, les aîneux là qui sont autour. Continue à soutenir tes soeurs. Merci beaucoup. Donc, tu peux me faire des Donc, envoie-moi les étoiles dans mes jambes. Donc, lequel on finit le dire, même pas 2 euros d'étoiles, mes gens. Vous allez voir un peu comment ils font. Voilà ça. Il y a le témoignage. Donc, méfiez-vous quand elle est en direct. Les gens viennent vous écrire en niveau par téléphone. Vous bloquez la personne. Vous bloquez. Ne causez même pas avec eux. Vous bloquez. C'est de ça qu'il s'agit. C'est ça qui s'est arrivé. Voilà, ça, elle m'a envoyé. J'ai reçu mon truc de DHK, DHM. Donc, c'est pour dire que mon colis est bien en route. Hier, j'ai envoyé mon adresse et tout, et tout, et tout. Elle a répondu avec une voix vocale. C'est une personne qui est bien. Allez passer la commande chez elle. Encourager l'entrepreneuriat. Peut-être l'année prochaine, on va se commenter peut-être avant nos petits mèches ici-là. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez dit que Nicole fait quelque chose qui va être aussi m'encourager. Donc, encourageons les gens qui font des bonnes choses. Vous avez dit que dans le bloc Camerounais est dans les clashs. Voilà, Aïcha Jamel qui est sorti du lot. Parce que la personne qui l'a tendu la main, c'est pas pour chou, en prenant sa position. Elle est dans son petit col devant toutes les mains. Elle ne s'occupe même pas du jabab de Facebook. Elle s'occupe de ta vie, elle vend ses mèches. Mais les gens veulent la saboter. On ne peut pas accepter. Moi, il dit que non. Tu ne peux pas accepter qu'on la sabote. Mais c'est que depuis qu'elle l'a jamais entendu, elle a dit que Nicole. Parce que la maman qui me donne ce dossier m'a dit que ma fille, c'est une femme qui est bien. Soutiens-la. J'ai ma camarade de me soutenir. Et j'ai vu hier qu'elle n'en a pas le temps. C'était dans son écrit. L'ANACEM m'a envoyé le message. L'ANACEM m'a envoyé le message. Il m'envoie le message hier. Il a envoyé à maman combien de personnes il a envoyé. Et je mets quiconque au défi. Ces mêmes femmes, ces mêmes gens qui disent qu'on les a arnaqués. C'est la même chose qu'on les a fait. Que l'arnaquer
passé en train de passer dans le messenger. Tu te mens. Qui vient dire le contraire? Qui vient dire le contraire? Arrêtez de mentir. Parce que quand tu causes, elle te dit assaut, c'est comment? Elle te dit assaut. Elle, tu comprends sa voix. Même hier, quand j'envoie le message à elle, c'était en plein live. Elle m'envoie le message, elle m'envoie les votes. Elle m'a dit que c'est comment? Pour que je sache que c'est elle, son numéro. Je mets qui? Et puis toutes ces femmes-là qui disent que non, Aïcha Djamela, venez dire la vérité. Arrêtez d'arnaquer les gens. Arrêtez de venir saboter les gens pour faire plaisir à X ou Y. Parce que les mêmes gens que vous soutenez là, ils n'ont rien fait de leur vie. Elle n'a même pas un compte en banque. Elle a beau dans tous les pays en Afrique. Même pas 1000 euros dans son compte. 1000 euros, elle n'a pas. Voilà le loup parce que vous voulez vos images. Je suis le père de. Je suis le mon père était. Mon père était. Ils ont vendu leur maison. Ils ont vendu leur maison. Ils n'ont rien apporté sur la toile, à part aboyer. Elle a collé son image à combien de personnes sur la toile, ça a apporté quoi? Quoi? Rien. Oh, c'est elle qui va venir s'asseoir insulter Solange Bi. Quand Solange Bi, la chère sa petite soeur, pourquoi Bibi n'a pas dit que Solange Bi arrête? Parce qu'elle était contente, parce que ça l'arrangeait. Parce qu'elle mangeait derrière. D'un moment donné, il faut arrêter. Et garder Facebook. Et garder le bon côté. Et garder ceux qui veulent faire l'entrepreneuriat. Et garder ceux qui au moins se veulent sortir du lot. Ma maman Pepe au Cameroun, elle est sabotée partout. Parce qu'elle a décidé de rester dans ses jeux d'humanité. Pourquoi veux-tu la pousser dans le clash? Il veut-tu la pousser dans le clash? Qu'elle vienne dans le clash. Dieu même ne veut même pas que maman Pepe soit. Et t'enlèves pour que tu continues les œuvres humanitaires. Ils ne veulent pas. Pour qu'elles viennent tuer des gens. Maman, faut pareil. Son événement, ils sont en train de monter les coups bas. Ce serait du ténébreux à Paris. Ça va parler fort. Parce que Dieu a mis la main à l'intérieur. Ça ne chauffe pas. Ici, nous soutiens Aïcha Djamela. J'entends encore qu'une femme s'est levée. Je vous ai donné des conseils. J'entends encore qu'une femme s'est levée. Aller dans un live, dit que non, Aïcha Djamela, je vais entrer dans ta vie. Parce qu'il faut que vous allez arrêter vos saletés que vous faites. Vous êtes incapable. Vous êtes incapable de dire la vérité. Comment tu as fait pour qu'on t'adapte? Tu viens de dire qu'on t'a naqué l'argent. Tu pars encore dans un live. Tu dis qu'on t'a naqué sans donner les preuves. Parce que voici la vérité. Voici la vérité ici. Quand elle est en direct, l'arnaqueur entre en toi avec toi. Si tu continues, tu causes avec lui, il t'arnaque. C'est ton problème. Tu assumes les conséquences. Parce qu'elle vous dit chaque fois que ne causez avec personne sur Messenger. Si tu es une femme, va encore dans un live. Tu prononces seulement le nom de Aïcha Djamela, qui est arnaquée. Je vais entrer dans ta vie. Ne croyez pas que vous êtes caché en faux profil que vous ne connaissez pas là. Vous allez arrêter de saboter les gens sur les réseaux sociaux. Je vais entrer dans ta vie. Même c'est qui vend les produits. Même c'est mon papou qui vend les produits. Tu achètes ces produits, tu viens saboter, j'entre dans ta vie. Même si c'est la patronne de maman Pépé, j'entre dans ta vie. Vous allez laisser ces femmes-là qui veulent faire des bonnes choses dans le bloc camerounais, laissez-les tranquilles. Si on t'a naqué, viens avec les preuves. Ne pas dire qu'on t'a naqué sans les preuves. Il n'y a pas les preuves. Il n'y a pas les preuves. Pas te fonder le mensonge venu mettre sur sa tête. Donc, comme ne mettez pas les clés sur la tête, regardez comment le vieux est. Regardez, vous voyez. Quand vous ne mettez pas les cœurs, ils sont en train de signaler. Ils signalent parce que vous ne mettez pas les cœurs. Voilà ça. Il y a même les gens qui ont fui avec son argent. Hein? Il y a les gens qui ont fui avec son argent. Est-ce que c'est plein? Il y a les gens qui ont fui avec l'argent d'Aïcha Djamela. Est-ce que c'est plein? Non. Parce que vous asseoir dans un direct que les gens, ils préparent à côté du cabinet. Vous voulez parler aux gens. Vous voulez parler à une grande dame qui paye les Indonésiens, elle paye les employés, elle paye les gens partout. Il y a des gens qui vendent ses mèches partout dans le monde entier. Comment qu'on lui donne l'argent? Donc, je vous ai mis. Donc, si vous voulez encore un camembert, vous dites qu'on vous a
arrêter de venir avec des trucs. Elle ne pas les trouver fondés. Ne crois pas que tu as un faux profil, que tu appelles dans un live qu'on ne te connaît pas. Tu veux entrer dans ta vie. C'est moi qui te dis. Donc arrêtez de ça. Restons dans le Japon, dans le Québec. Mais quand il s'agit de la marchandise, tu gagnes pas de quelqu'un, écoutez-vous, écartez-vous. Elle n'est pas dans le Congo, ça. Le panier là. Elle n'est pas dans le ça. Laissez-la tranquille. Laissez-la aider les gens qui en ont besoin. Si vous n'avez pas besoin, laissez-la aider les gens qui en ont besoin. Et si on t'envoie en arrière, viens avec les preuves. Tandis que c'est elle. Si ce n'est pas elle. Si tu te fais anarcher par mes messengers, tu restes, tu bois l'eau, tu assumes. Tu restes, tu bois l'eau, tu assumes. Pourquoi on ne fait plus ça? À bon entendeur, salut. Donc, c'est un peu ça. Donc, je parle de ça. Voilà. Je vous donne, je suis en train de signaler mon direct. Si le papa, il risque de sauter la page. Donc, si encore. C'est ça, et aujourd'hui, détruit les gens. Donc, je vous aime, je vous adore. Donc, méfiez-vous, prenez garde à vous. Donc, évitez d'aller causer avec les gens en Messenger qui se font passer pour Jamila. Ce n'est pas elle. Ce n'est pas elle. Voilà. Moi qui compte en acte, viens avec les preuves. On ne veut plus le sabotage. Les femmes tranquilles. Donc, viens avec les preuves. Tu n'as même pas les preuves, même en faux profil, on va entrer dans ta vie. Tu vas lire. Donc, ciao.